Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 36e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, on avait fait une grosse baston qui s'était plutôt bien déroulée. Et donc, on continue, on est en guerre contre plein de royaumes. Donc, je vais suivre le maréchal, sachant que là, oh, c'est assiégé, il faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose. En patrouille, mais oh! Ok. Elle s'est assiégée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent? Ah, venez là. Bande d'abrutis. Non, mais ils vont reprendre le château. Voilà. On ne reprend pas mon château. C'est moi qui l'ai pris. Deux fois. Donc 1. On ne le reprend pas. Il faudrait voir ce qu'il y a de, comme personne dans le château du Knudar. 160. Ah oui, non, 160, je ne les fais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pouvoir arriver à les choper? YOLO! Ils ont failli m'attaquer. Des soldats sont prêts à être promus. Eh ben dis donc, ça en fait du monde. Toc! Bon, la question c'est là, c'est où on va? Pffaut, le château est encore assiégé quoi. On va aller voir. On va aller voir. Nouvelle campagne militaire contre Talbar. Bon, bah j'arrive. C'est le maréchal. Allez. Donc là, il faut suivre l'armée du comte Talbar. En espérant qu'on va faire quelque chose d'intéressant plutôt que vadrouiller. En mode, je n'ai rien à faire. Ok, c'était pas mon château que j'ai capturé. Là, il y a de quoi s'amuser un peu. Par contre, il faudrait pas qu'ils aillent trop loin. Non? C'est pas ça. C'est vrai qu'on est en guerre contre deux royaumes en même temps. C'est pas pratique. J'espère qu'il va y avoir au moins une paix qui va se faire. Parce que là. Bon, je vais suivre le comte Talbar. Alors, comte Talbar a une tâche à me confier. Veut que vous rendiez à Vieille-Aigègue, Méchain et au château de Ragnorir. Dragodir. Alors attendez. Vieille-Aigègue, c'est où ça? Alors Méchain, ça je peux le faire. Vieille-Aigègue, c'est là. Et le château de Rag Machin? Je suppose que c'est en plein chez eux. Ah, il est là. On va commencer par le château. On va commencer par Méchain. Et oh, occupez-vous du château. Là, on va faire gaffe. Allez, direction Méchain. J'ai exploré Méchain. Non, pas Vieille-Aigègue d'abord. On va commencer par là-bas. Château de Rago Machin. Ouah, moins 219 quoi. J'ai exploré Château de Machin. Bon, là, ils sont beaucoup. On va peut-être se barrer de là. Là, ils sont combien? Ils sont 37. Bon, ça va. Toc, ça c'est fait. On va éviter d'attaquer parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ils doivent être dans le coin. Ah, oh, ils ont récupéré le château de Dercios.
Incroyable, ce baston pour le château. Quoi? Quête annulée? Ah d'accord, je crois que j'ai reçu l'expérience parce que c'était à distance. Ok, j'ai plus de quête. On pourrait peut-être essayer de récupérer encore. De repiller méchant. J'espère que ça va passer. Ah, tête sa mèche était encore dévastée. Bon, de toute façon, il n'y a eu plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, il y avait encore plein de trucs en fait. Eh bien, c'est qu'ils viennent à peine d'être redisponibles au pillage, qu'ils se font déjà complètement ramasser. Et par contre, je vois que la nourriture chez nous, c'est pas ça du tout. Ah si, j'ai rien dit. On en prend plein de trucs. Assiégé, Château d'Erchios qui est assiégé. Oh mon dieu, cette armée de fous! On se casse! Direction Dérim. Parce que là, ça craint. Ah merde! Oh merde! Dérim qui est assiégé, je suis au milieu. Oh putain de caca! Ouh là là, que c'est pas bon. Là, il me faudrait des immenses armées pour m'aider. Et comment je vais faire? Oh là 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 là. Wow! 238 contre 792. Si un jour on arrive à se défendre à ça, ça va être mais, avantage de combat moins 5. Tu m'étonnes! Oh mon dieu! En plus, la défense, c'est rarement ce que j'arrive à faire le mieux. Combien je fournis de soldats? 19! Oh, mais on va se faire mais déchirer quoi! Je vise comme un pied à l'arc. Vraiment comme un pied, quoi. Zéro point de dégâts, quoi. Zéro. Mais je suis très très nul, ou alors c'est des... Ils ont vraiment des super armures. Oh là 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 là. On va se faire mais déchirer. Bon, ok, je vais me préparer à l'assaut. Non, c'était pas assez. Je pensais que c'était crouch, mais en fait on peut pas se baisser, c'est vrai. Dans les pieds. Ouh là là. On fait gaffe. Récupère des flèches. Ça peut toujours servir. Et là, ça va arriver. Voilà, ça y est, on est déjà en train de se faire défoncer. Oh là là! On va se faire défoncer! Aïe! Oh la vache!
Oh là 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 là. Ça arrive encore, j'en ai 7 morts. D'où vous sortez-vous? On va jamais y arriver de toute façon. Ah mais il est pas avec moi lui? Me faire défoncer, je suis dans le coin, je suis pas bon. Ah! Combien on a perdu? 18 tués. Perte ennemie. 54. 206 contre. Mais on va se faire défoncer, quoi. Oh, merde. On va rejoindre la bataille, mais bon. On est clairement en train de se faire défoncer. Se fait déchirer. Je vise comme un pied. Quoi? Je n'ai plus de vie, quoi. Allez. Tire à la tête. Allez, casse-toi, bouclier. Ah bah voilà. Je l'ai enfin tué. C'est là que ça va commencer à être très lourd. On va se faire défoncer. Je récupère des flèches. Allez, c'est parti pour la mort. Ah bah, j'ai même plus de PV quoi. Ah merde! Mais pourquoi ils se défoncent tous? Ils sont tous sortis pour aller à gauche. Plein de pertes, voilà. Ça y est, ils ont récupéré Dirin. Merde, ce que j'ai perdu quoi. Oh lo 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 lo. Voyons, on se casse. C'est mais horrible. J'ai tout perdu. Et la question c'est, est-ce qu'il reste des unités un peu partout? Dirim m'a été assiégé. Voilà, pour l'instant. En train d'être pillé, mais bon. Combien? 74, laisse tomber. Pied. Quoi? Bon, 4 contre 5. Mais surtout, j'avais plein d'unités, elles étaient super fortes, elles étaient... Oh! Ah, j'ai perdu mon super casque à 5000.
Génial. Je me sens bien, je suis content. J'arrive même plus à me battre. Oh! Voilà. Si j'arrive même plus à me faire 5 bandits, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Oh, ça va, il me reste encore pas mal de choses, mais ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. On va aller à Veluca. Place du marché, on va vendre des trucs. Il faut récupérer un peu d'argent. Non, merde, pas les saucisses. Saucisses, c'est bien. On vend les trucs qui se périment. Voilà. Donc, ouais, bon, c'est pas mal. Toujours un peu d'argent, le lin on peut le virer, le beurre on peut le virer, les pots, les dattes, ça va, donc faut récupérer de l'argent. Ah oui, armure, est-ce qu'il y a mon super casque? Il semblerait que non. Il n'y a plus mon super casque. Il y a un 52. Bon, il n'est pas si cher que ça, donc ça passe. Mais ça m'embête terriblement. Quoi? 4 contre 24? Ah. D'où qu'ils sortent? Zut. Bon. 4 contre 24, ça peut passer. C'est vrai que ça peut faire beaucoup, vu comme ça. Sachant qu'on peut en éliminer une bonne... Une bonne dizaine, rien que moi. Voilà, déjà j'en ai éliminé 3. Le truc c'est qu'il faut pas non plus abuser. Ok, là ils sont déjà 20. 19. Dix-huit. Dix-sept. 16. En fait, c'est mon cheval qui prend cher. Ah, par contre, vous ne mettez pas à parer mes coups parce que là, sinon, on n'est pas arrivé. Où tu vas, toi? Alors, combien il en reste? 9. Vous pouvez charger. N'empêche, à moi tout seul, j'en ai fait 15. Oh! Ah. Ah, l'épisode de la loose, quoi. Ah, j'arrive pas à les tuer comme ça. Voilà, ils étaient où, mais... Les Gugus? Ah non, il en reste un. C'est pour ça que c'est pas fini. Ça fait 20 minutes déjà.
Il va s'enfuir l'autre. De l'eau. Victoire. Chasseur de primes. On peut les prendre à la limite. Voilà. Ok, du coup j'ai plus la place, c'est pas grave. Oh, on a récupéré un max de pognon, c'est bien. Donc, on va arrêter là l'épisode. Épisode de la loose, j'ai envie de dire, là, par coup, parce qu'on était vraiment très très bien, et là, tout d'un coup, pff, on s'est fait, mais défoncer à Dirim. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi, je vous dis à dans 3 jours, pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !